Nouveau mouvement pour mes dribbleurs, cette fois-ci l'hésitation dans le dribble. C'est un dribble utilisé par toutes les grandes stars NBA, tous les grands joueurs utilisent ce dribble pour pouvoir se défaire des défenseurs. On va le voir maintenant. Alors pour réussir l'hésitation dans le dribble, très important, c'est la feinte de tir dans le dribble qui vous permet de faire sauter le défenseur et vous allez continuer à dribbler. Je vous montre comment faire. Ok, vous restez très bas ici et vous préparez vos appuis comme si vous allez tirer, d'accord? Vous préparez vos appuis comme si vous allez tirer. Cette main-là, la main gauche, si vous êtes droitier, la main droite, si vous êtes gaucher, va faire la feinte pour vous, d'accord? Ici, vous allez armer, faire semblant d'armer le tir pour justement faire sauter le défenseur sans toucher la balle, d'accord? Et avec cette main-là, vous allez juste faire monter et faire un petit dribble de décalage ici. Hop, hop. Je répète. Hop. Très important pour les appuis alternatifs, c'est-à-dire ici, gauche, droite. Si vous êtes gaucher, ce sera droite, gauche, d'accord? Donc ici, j'utilise bien le gauche-droite et je fais la feinte au moment où le pied droit arrive, d'accord? Hop, pied droit, je fais la feinte. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on va le faire à fond. C'est tout pour l'hésitation, n'hésitez pas à vous baisser, soyez bien fléchis et n'oubliez pas la main gauche pour préparer le tir et faire semblant de tirer et la main droite pour pouvoir continuer de dribbler.